très convivial, sympathique, très agréable. Solidarité, rencontre, partage. On a l'impression d'être dans un petit village et d'aider les plus démunis. Pour faire une bonne action et manger du bon pot-au-feu avec du monde. Cette année, nous avons donné 7 kilos de brie. S'investir comme ça à notre échelle, c'est important. Ça permet de participer et de ne pas rester inactif face à tout ça. Chaque artisan boucher des Halles a donné 100 kilos de viande à pot-au-feu, en plus de la solidarité. Il y a un moment d'échange, de partage. On remet une partie des bénéfices donc au Resto du Cœur. La totalité de la recette, elle est reversée entièrement au Resto du Cœur. Ce n'est pas les bénéfices, c'est la totalité de la recette, ce qui veut dire que tous les intervenants, tous les commerçants, tous les partenaires viennent ici et ils donnent non seulement de leur personne, de leurs marchandises. Sur l'Indre-et-Loire, on a 6000 bénéficiaires actuellement, c'est-à-dire 12% de plus que l'année dernière. Ça veut dire qu'il nous faut des produits, il nous faut des euros aussi pour fonctionner. C'est uniquement les dons qui nous permettent de vivre. Et cette journée va nous améliorer l'ordinaire. Solidarité, puis bonne bouffe en fait. On mange bien et en plus on fait une bonne action. Tout le monde est heureux.